tracté par un Jude Bellingham étincelant, auteur de ses 7e et 8e buts en Liga cette saison, le Real Madrid a pulvérisé Osasuna ce samedi sur le score de 4-0. Avec cette 3e victoire de rang en championnat, les joueurs de Carlo Ancelotti récupèrent leur trône de leader. On avait compris que Jude Bellingham détenait une large partie de la réussite du Real Madrid dans ses pieds, mais peut-être pas dans ses proportions. Confronté à Osasuna ce samedi, à l'occasion de la 9e journée de Liga, le club madrilène a, encore et encore, dû s'en remettre à son anglais, décidément sur une autre planète depuis son arrivée cet été. C'est lui qui aura, une nouvelle fois montré la voie aux madrilènes, dès la 9e minute de jeu. Après une passe tranchante du revenant Luka Modric, Dani Carvajal trouvait astucieusement Bellingham dans la surface, lequel s'offrait déjà son 7e but en Liga d'une lourde frappe du pied gauche. Mais comme l'appétit vient en mangeant, l'ancien joueur de Dortmund s'offrait un doublé en seconde période, son 2e de la saison à la suite d'un relais dévastateur, avec Federico Valverde à la 54e minute. Vinicius, de retour de blessure la semaine dernière, aura lui mis un peu plus de temps avant d'entrer dans sa rencontre. Souvent brouillon en première période, en atteste sa frappe trop en V pour espérer inquiéter Ra en première période à la 24e minute, où ses séries de dribbles superflues, le Brésilien s'est remis la tête à l'endroit au retour des vestiaires. 4 jours après son but inscrit en Ligue des Champions face à Naples sur le score de 3-2, Vinicius a récidivé. Lancé dans la profondeur par un Valverde omniprésent, auteur de 2 passes décisives, l'attaquant de 23 ans éliminait Herrera d'un crochet avant de pousser le ballon au fond des filets à la 65e minute. 5 minutes plus tard, il se muait cette fois en passeur décisif pour Joselu. À la suite d'un délicieux contrôle en porte-manteau, il servait l'attaquant espagnol entre 2 défenseurs, qui concluait d'un plat du pied sécurité. En fin de rencontre, l'ancien attaquant de l'Espagnol avait même la possibilité de s'offrir un doublé sur penalty, en vain. D'un tir plein axe, mais pas assez menaçant, il se heurtait à un Herrera espiègle et chambreur. Un raté sans véritable incidence. Grâce à ce 3e succès consécutif en Liga, le Real Madrid récupère son trône de leader au préjudice de Gérone, et est même assuré de terminer la journée à cette position. Osasuna, la belle surprise de la saison dernière, est 10e.